Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la promotion de l'épisode 2. Voilà, Star Wars B4, please, girafe, chers amis. Donc, on va continuer, j'ai pu me revérifier encore le commentaire que j'ai reçu. Donc c'est bien dans une grande cave d'une planète radioactive. On devrait pouvoir tomber. Mais au fait, je suis pas en radioactive du tout. Je suis en cold protection. Ah non, provide radiation protection. D'accord, ok, parfait. Et donc dans une grande cave apparemment on devrait trouver un mini boss qui nous rapportera quelque chose d'utile, semble-t-il. Oh, dans ce genre de grande cave? Parce que là il y a personne là. Oh putain, j'y ai cru. J'y ai cru, mais d'une force, chers amis. J'en suis limite dégoûté, là. Un instant. Voilà, re, chers amis, excusez-moi. Hop. Je voulais absolument noter le nom de l'épisode précédent. Bon, c'est pas vraiment ce que j'appelle... Ouah, il y a un truc animé. C'est pas vraiment ce que j'appelle quelque chose d'utile, ce qu'il y a là-dedans. Mais non, il y a un truc animé, donc je vais le prendre. Ça, je le prends. Ok, donc là je peux pas passer. Enfin, j'aurais pu passer en d'une autre manière en fait. Alors, allons-y. Grande cave, mini boss. Grande cave et mini boss. Ah, ça ressemble à une grande cave ça. Il y avait une porte là, non? Non, il n'y avait rien. Ok, j'ai cru. J'ai cru que j'allais mourir là aussi, je l'avoue. Grande cave et rien dedans. Grande cave, rien dedans. Alors ça par contre, le fait que tu me touches, là c'était un petit peu de la moule. Faut pas se voiler la face. Hop. Grande cave, mais là on n'arrive pas, on n'est pas censé plus ou moins arriver dans le trop bas justement. Sauf si c'est justement extrêmement bas. Oh. Alors, ça c'est intéressant parce que j'ai plein de choses que j'ai pas. En l'occurrence, ça. Ça, je crois que je l'ai. Ça, je ne l'ai pas. Ça, je crois l'avoir aussi. Là, je vais prendre tout ce que je n'ai pas. Ça, je l'ai, c'est certain. Ça, j'ai un doute. Ça, je suis presque certain d'en avoir. La tente, c'est certain, j'en ai une. Et le coffre, c'est certain, j'en ai un. Parfait, on continue. Tant mieux, parce que là, c'est de la cave dure à casser. Et voilà, hop. J'ai peur qu'on soit pas au bon endroit du tout, on pourrait dire. Qu'est-ce que... Ah, donc on est tout en bas. Donc là, c'est plus la peine. Sauf si c'est au niveau... Non, ça peut pas être au niveau du cœur, parce qu'on voit déjà du... On voit déjà du... Comment? De la lave. Non, donc ce sera pas là. Je pense pas. Aïe. Aïe. Putain, mais je vais me tuer comme ça. Hop. Il y en a un qui est disparu. On va remonter un petit peu. Pas par là. Voilà.
Oui, quand j'ai un petit peu, tout est relatif, bien sûr, hein. Donc là, non, c'était intéressant. Cependant, on va y passer quand même. Oh, mais... Je l'ai raté. Voilà. Est-ce qu'on peut toujours miner avec cette hache? On ne peut plus. Enfin, en tout cas, pas le truc dur. Faudrait que je vois sur la neige ou le sable. Ou le gravier, pardon. J'allais dire le glavier, mais non, ça va pas le faire si je le dis comme ça. Aha! Hop, on y va. J'aurais peut-être dû me heal avant. Bon, il n'y a pas de risque que ce soit surprise, surprise. Voilà. Par contre, on la connaît pas, celle-là. Et ça, chers amis, c'est cool. Est-ce qu'il y a en fond de l'eau? Ok, ça va être dur en fait. Quoique. Hop. Donc, apparemment là il n'y a pas de truc surprise. Écoutez, tant mieux pour nous, hein. Hop. Et on en ressort, on a pris quand même quelques dégâts, hein. On a eu une petite surprise, une petite frayeur tout à l'heure. Mais bon, rien de bien méchant. Dirons-nous. Grande cave, pas de mini-boss. J'espère que c'était pas un coup de chance que t'as eu, mon cher. Mon cher ami, mon cher viewer. Hop. Donc là, y'a rien. C'est certain. Là, y'a encore moins de choses. Est-ce que je peux faire le tour par là-haut? Oui. Ah ah ah! Oh! Non, c'est encore une zone un peu identique à celle que j'avais déjà visitée. Non plus. Une porte. Alors, allons-y cette fois-ci. À nouveau, plutôt. À nouveau est une meilleure formule. Encore celle-là. Génial. Ah bah, on va. Oula. Pff, le niveau de connerie a été dépassé, chers amis. Pourtant, là, il y a un gros coffre. Je suis persuadé que je peux y arriver. Oui, je peux y arriver. Est-ce que je peux faire ça? Je peux pas me TP. Et comme on a le truc d'oxygène, chers amis, en fait, on peut passer. Allez, passe! Allez, passe! Voilà, on l'a eu. Alors, c'est un gros coffre. Et il y a strictement rien dedans. C'est génial. Ah, je bourre! Je mâche le mouton! 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 Et pas je mâche du mouton, hein. Attention, c'est pas pareil, hein. Sors de là! Sors de là! Voilà. Wouhou! Bon, y'a que de la merde dans ces trucs là, pardon. C'est pas qu'il y a rien. Aïe. C'est même pas qu'il y a rien, c'est qu'il y a que de la merde. Hop, voilà, j'ai du bordel sur mon bureau, chers amis. Voilà, c'est bon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est cool par contre. Je suis full, je peux pas en prendre plus? Voilà. Quoi, tu voulais pas en prendre plus? Alors, on continue. Un coffre. Quelques petites choses intéressantes, je dois le reconnaître. Et encore une porte. Pourquoi pas? Allons-y.
Celle-là, ça me dit quelque chose. Bourg! Allez! Ça y est, on a réussi. Voilà, c'est bon. Putain, comment qu'on va faire pour ressortir? Tout ça pour un gros tas de pixels. Bon, tu me diras, on en a. Enfin, vous me direz, on en a 8000 et quelques. Mince, je me trompe de bouton, ça va pas le faire. D'accord, en fait, non, c'est pas mâché. C'est technique en fait, faut pas se relever. Faut pas faire un coup de trop. Oula, ça fait mal par contre. Je pensais qu'il allait se terminer plus vite que ça. Ah! Voilà. Voilà, problème résolu. Bon. On va dire que malgré tout, ça se passe pas trop mal. On trouve pas trop ce qu'on veut, mais bon. Écoutez. C'est comme ça, hein. Il y a un petit passage, je vais le prendre. Hop. Franchement, j'espère que tu ne t'es pas chié dans la colle, mon cher viewer. Hein. Parce que moi, je cherche depuis. Et j'en trouve pas des masses. Hein. Là, je vois une grande caverne, je vois aucun boss. Grande caverne. Ah. Eh ben non. Hop, c'est de remonter comme ça. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Laissez-moi. Oh putain, je vais me prendre un tir dans le dos. Alors. Tu me gonfles! Tu me gonfles! Alors. Un diamant, forcément. Coffre en bas, un peu de diamant aussi. Quelques pixels, toujours agréable. Merci. Alors. Ok. C'est pas tout à fait ce que j'imaginais quand je suis passé par là. Enfin, quand j'ai décidé de passer par là. Alors. Bon, toujours pas. Eh ben on continue alors. Toujours pas de grande caverne apparemment. Ah. Ah, je peux passer s'il vous plaît? Merci. Ok. D'accord, bon bah ça met dans l'ambiance. Vous ne trouverez rien ici. Partez. Eh oui, je me barre, t'inquiète pas, c'était pas intéressant du tout, donc je me barre. Pourquoi je peux pas le prendre là? Parce que je suis complètement full, je suis sûr. Ouais, voilà, peut-être ça aussi. Oula! J'ai vu ma vie défiler dans mes yeux.
J'ai vu ma mort arriver à grands pas. Oh! Non, ça me dit rien. Y'a pas de gros boss, hein. Et là, rien d'énormément utile. Ici, on a juste une chaise. On va passer par là, c'est du petit sable. Ah, d'ailleurs, je voulais voir. On y est presque. Et boum! Ah non, même pas. Là, c'est celui-là. D'accord, et ça ne donne pas les cubes. Ok, pourquoi pas. Alors. Eh ben non. Hop. Un coffre. Rien d'énormément intéressant dedans, même pas beaucoup de pixels, je dirais. Ah bah comme ça c'est fait. Beau. Eh ben on en profitera pour changer de planète, chers amis, je pense. Hop. Passer sur la petite. Hop. Voilà. Bon, bah c'est dommage. C'est vraiment dommage. Eh ben écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour ce second épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. À l'accueil de ce groupe Steam, vous pourrez retrouver l'adresse IP et le port du serveur à entrer donc dans la partie multijoueur du jeu pour pouvoir aller sur le serveur donc communautaire de la chaîne. Donc il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment, de toute façon je ferai une vidéo d'information quand moi j'arriverai dessus, on verra si les gens viendront dessus en plus. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.